Plop les gens, Sikino de retour sur Little Big Workshop, j'avais oublié le nom. Donc là c'est vraiment la suite de juste avant. Et bon voilà, on est toujours en train d'avoir nos skis et notre petite commode là. On va voir si on atteint notre objectif à temps. Sachant que lui, j'avais dit faites-le qu'une seule fois et au final, il fonçait ce qu'il a à fond pour pas avancer. Il m'embête. Ok. On va voir comment on assemble des skis. Alors, on met la tâche 2, on met le ski 1, on met le ski 2, on tape un petit peu avec ses mains et voilà. Et YouTube Peertube, il y a Barbu qui vous dit bonjour, il est poli quand même. Même si je n'affiche pas le chat sur mon live. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Puisque je l'ai prévenu entre les deux enregistrements que je n'affichais pas, donc que vous ne verrez pas ces messages. C'est aussi pour ça que j'essaye de lire les messages du chat auxquels je réponds, pour bien enfin voilà, que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe entièrement et pas juste un petit peu. Et toi aussi, tu vas te mettre en mode accéléré de ouf. D'ailleurs, merci pour le message transmis. Mais de rien. Mais de rien. Alors toi, t'as bientôt fini. Mais est-ce qu'il y en a... C'est ici. Oui, il y en a d'autres en stock. Pas de stockage disponible. Vite, zone de stockage. Hop là, voilà tout ça. Utilisez des étagères pour optimiser votre espace De nombreux produits peuvent être empilés sur les étagères sans causer d'obstruction. On va lire les étagères puisque c'est assez important comme mécanique dans le jeu. Je vous l'ai décrit tout à l'heure, enfin dans la précédente vidéo, mais avec les mots du jeu, ça sera peut-être mieux. Les étagères sont utilisées pour stocker les produits et matériaux de manière efficace dans l'usine. Elles permettent aux ouvriers d'empiler davantage d'objets sur un même espace au sol, tout en réduisant le temps passé à les ramasser ou les poser. De plus, vos ouvriers pourront se déplacer plus facilement entre les étagères qu'en plein milieu d'un amas d'objets empilés au sol. L'obstruction est réduite et permet des déplacements plus rapides. Voilà. C'est marrant parce que ça... On n'a pas cette présentation. Ils ont pris un imprime-écran d'avant, une vieille version que personnellement je n'ai jamais vu. C'est pas un des nouveaux patchs, je l'ai jamais vu. Peut-être que ça a été dans le tout premier patch du jeu et que moi j'ai pas eu celui-ci. Bref, ils ont pas mis à jour. Les transporteurs sont nos amis. Voilà, agrandissez avec les tableaux d'affichage. Voilà, une belle usine avec plein de postes d'assemblage. Utilisez le sur-régime avec parcimonie. Ah bon? Mais j'aime bien là. Le sur-régime peut vraiment être utile lorsque vous donnez lorsque vous devez donner un petit coup de pouce à un poste de travail. Mais attention à ne pas en abuser. Un poste de travail en sur-régime permanent est moins efficace sur la durée qu'un poste de travail en vitesse normale. Oui, vu qu'il produit 50, il produit la moitié en plus, mais il se dégrade deux fois plus vite. Disposition, déplacement dans l'usine, poste de travail, priorité et priorité de zone. Hein? Les zones, elles peuvent avoir une priorité? Tous les produits n'ont pas toujours la même importance. Vous pouvez assigner un degré de priorité sur tous les postes de travail et les zones générales dans votre usine.
plus ce degré sera élevé, plus vos ouvriers se concentreront sur cette tâche. Ce système vous permet d'éviter les ralentissements en mettant de côté les machines et les opérations logistiques moins importantes. Utilisez le filtre de priorité pour mieux comprendre la disposition de vos stations de travail et obtenir une vue d'ensemble. Oui, d'accord, mais... Et là, il nous parle des raccourcis. Les concurrents, eux, là, avec leur manipulation du marché, là. Bref. 6 heures, il me faut encore 4 paires de skis. Bougez-vous. S'il vous plaît. Je crois que je peux pas mettre une zone de stockage dans le... Ouais, les zones ne peuvent pas se superposer. Comment ça, ça se superpose avec une zone là? Peut-être parce que c'est considéré comme étant une zone de repos. Là, impossible d'être dehors. Oui, salut. Ou bada, bonjour. Tout ça. Voilà. On va mettre les deux postes de travail. Mince. Les deux postes de travail sur les skis. Vu qu'ils veulent pas les enlever d'ici, il va falloir qu'on avance quand même. Vu qu'il ne nous reste plus que 4 heures. Ça. Ah oui, ça c'est les pièces pas encore transformées en attache. Et toi t'en as plus que deux. Toi aussi. Mais pas de stockage libre pour les skis. Ça c'est pas du stockage libre pour les skis. Ok, souci vite. Solution créative. Je pensais que là, ils pourraient mettre des skis en longueur comme ça. J'ai l'impression qu'ils peuvent. Ah bah voilà, t'as glissé tellement fort que t'as mis les vis dehors. Quoi. J'ai l'impression qu'ils peuvent mettre les objets en longueur que genre nord-sud comme ça. Mais pas dans l'autre sens. Ce qui est relativement bizarre. Parce que de toute façon, quand je mets une étagère, bah ils suivent l'étagère. Quoi. Il y a des fixations qui sont déjà prêtes. Une. C'est tout. Deux du coup. Donc on peut faire ce ski là. Ce qui fait qu'on en aura 14, il en manquera plus qu'un. Et on a 0 jour pour le faire. Donc en fait le camion va arriver là tout de suite. Incessamment sous peu. Voilà. Et moi, j'en suis à 13 sur 15. Ce qui n'est pas cool. Allez, fais ton 14e, là. Au moins, il n'y en aura qu'un qui ne sera pas fait. J'aurai presque tout l'argent qu'il m'a promis. C'est-à-dire presque 5000. Mince, elle était déjà en train de récupérer, c'est pas grave. Allez. Alors, là je pense qu'ils vont prendre les 14 quand même, vu que ce ski-là était déjà
en train d'être prêt pendant que ce qui m'est arrivé. Mais je sais pas s'ils vont. Non, diminuer. Mais je sais pas s'ils vont. S'ils finissent le 15e, s'ils le prennent ou pas. Je pense pas. Et de toute façon, là, vu qu'ils vont prendre celui qui est sur le poste d'assemblage en dernier, c'est tout quoi. Ils vont juste pas le prendre. Ils vont pas avoir le temps de le faire dans tous les cas. Et il va nous rester une paire de skis sur les bras. Hop là, arrête, t'es en feu toi. Toi aussi t'es en feu? Non. Je viens de recevoir une cargaison de skis, ces produits sont superbes, les clients commençaient déjà à lorgner dessus pendant qu'on décharge. J'espère que nous pourrons continuer ce partenariat. Ah, il a pas remarqué qu'il lui manquait une paire de skis. Bon, il m'a payé que 4500 au lieu de 4800 du coup. Je vais devoir vous laisser, repas de famille oblige, que votre business soit prospère, à bientôt monsieur. Ben à bientôt barbu. Et bon repas de famille du coup. Voilà. Et du coup, j'ai pas pris les nourritures en plastique. J'ai été trop perturbé, trop lent. Entre le moment où le camion est arrivé, tout ça, pas eu le temps. Bref, j'ai un peu de liquidité. Je sais pas combien j'ai été en négatif. Mais maintenant, c'est résolu. Cette zone supprimée, oui. Cette zone raccourcie. Comme ça, ça m'ira bien. Ben, on va continuer nos petites commodes. Et on va refaire. Alors ça, du coup, le prix va un petit peu augmenter, mais il reste assez bas. Qu'est-ce qu'on peut faire qui demande des fourches là. Oh, les fourches qui augmentent de prix considérablement. Ça me plaît. Donc là, on voit que c'est déjà tout vert. On peut mettre les matériaux minimum. Et on va les faire. Alors là, les faire par l'eau. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire ça, puis ça. Enfin, on les fera un peu simultanément. Alors que les... si on en fait... je ne sais pas combien. Mais en soi... Si... utiliser les lots pour terminer un projet avant de commencer le suivant. LOL, la production par lot peut être utilisée pour s'assurer que les projets conséquents ne monopolisent pas trop longtemps un même poste de travail. On n'attend pas trop longtemps une même opération. Toutes les opérations seront réparties de façon à pouvoir finaliser les produits 5 par 5. Produire par lot créera de longues files à chaque poste de travail, mais la production sera souvent plus efficace de cette manière. En particulier si vous vous retrouvez avec un poste de travail unique à un point crucial de la production. Donc là, j'ai plus ou moins un poste unique, un point crucial. Le point crucial, c'est celui-ci. Hein. Mais ça, c'est la partie la plus lente. Parce qu'ici, on voit bien que c'est 20 minutes et j'ai directement deux fourches. On va essayer de ne pas avoir de... voilà, 4. On va peut-être faire par 8, du coup. 16, est-ce que 16, c'est raisonnable? 16, on fait par lot. 16 par lot, ça m'a l'air raisonnable. Ouais. 16 par lot, ça m'a l'air raisonnable. Bon, il y aura un lot de 1 tout seul à la fin, mais c'est pas grave. Ça ne coûte que 216 de matériaux. C'est censé coûter à peu près 500 en salaire.
Ce qui m'embête, c'est que ça. C'est que le bois, les machines de bois sont déjà très utiles, très remplies. On va lancer comme ça. On va dire que c'est plus important de faire la fourche que la petite commode. Comme ça, eux, dès qu'ils ont fini leur planche de bois pour les tiroirs, ils vont se mettre directement à faire les. À faire les. Comment ça s'appelle? Tout ça, quoi. À faire les fourches. Parce que là, j'ai besoin quand même d'avoir de l'argent. Et de toute façon, on peut avancer les tiroirs, voire presque les commodes, tout de suite. On n'est pas pressé pour que. Là, il y en a trois, là, il n'y en a qu'une. Non, non, annuler. Toi, on va te monter tout en haut. Peut-être pas finir les tiroirs, mais au moins que vous les fassiez pas tout de suite. Ce qui compte, c'est que. C'est pas que vous soyez bloqué, c'est que vous ne soyez pas bloqué. Parce qu'il n'y a pas encore de fourche. Alors voilà. Maintenant. J'ai les skis qui n'ont aucune offre sur le marché, ou en tout cas aucune avec les performances que je leur ai données. Soit je peux les jeter, soit je peux attendre qu'il y ait une offre du marché qui demande des skis à ce prix-là, quoi, avec ces éléments-là. C'est au choix. Et de ce que j'ai compris, c'était inventaire, ressources, vendez à la casse tous les objets dont vous n'avez pas besoin, sauf ceux qui sont liés à une opération. D'accord. C'est un peu la même chose en fait. Je pense. On les met dans la poubelle, mais en fait on les vend à pas cher. Ok, je croyais que le monsieur il est passé à travers du mur et du poste du tableau d'affichage. Pourquoi le monsieur il est passé à travers le mur? C'est censé être un monsieur, pas un fantôme. Est-ce qu'il va faire pareil? Non. Monsieur, vous êtes bizarre. Donc là, je peux jeter. À la casse les skis pour qu'il me. Comment ça s'appelle? Pour qu'ils me prennent pas de place. Alors pour le moment, ils sont de 1 dans la zone de déchargement. Donc la zone de déchargement, c'est pas. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Et de 2, ils sont dans une étagère. La petite commode, elle tiendra pas dans une étagère. Peut-être même pas dans la zone de déchargement, là, ici. Vu que devant. On a vu que c'est la place occupée pour accéder à l'étagère et sur le côté, on verra. On verra. Ici, on peut supprimer cette zone aussi. Là, il y a déjà pas mal de fourches qui ont été faites. Mais non. Parce qu'en fait, il suffit de fondre les lingots de métal directement en 2 fourches à chaque fois. Donc les fourches apparaissent vite. Le problème, c'est que les manches, il faut d'abord transformer le bois, les planches de bois en planches de bois, enfin le bois brut en planches de bois.
Et après transformer les bois, les arrondir, tout ça. Lui il est toujours en train de faire le... En train de travailler sur le tiroir. Oui, et toi tu... Faut vous réparer. C'est important. C'est même très important. Pas eu d'explosion. Ici non plus, tout va bien. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est une barre en bois ronde. Ok. Mais les barres en bois ont besoin de planches de bois, donc lui a déjà... Vu que lui était toujours sur les tiroirs. C'est-à-dire que sur ce poste de travail, ils ont déjà réussi à transformer pas mal de planches de bois en... Enfin, pas mal de bois brut en planches de bois, et il est déjà en train de commencer à faire des barres de bois rondes. Très bien, on peut accélérer un petit peu. Non, ces planches de bois là, c'est juste pour faire l'extérieur à la commode. Donc là, ils finissent. Ils vont finir tous les tiroirs. Et je vais les laisser faire tous les tiroirs avant de commencer les fourches. Ben voilà. Ils les ont déjà pris de toute façon. Toi, t'étais à 5. On va réduire la priorité. Tu n'es pas prioritaire, toi non plus. Souci. Plus souci, c'est bon. Le problème c'est qu'ils veulent tous faire du bois rond. Non c'est bon. Là normalement ils ont suffisamment de stock pour leur, tous les deux faire toutes les planches de bois rond qu'ils veulent. Ensuite, lui du coup je pense, va faire la dernière planche de bois, enfin le dernier tasseau. Et après ils vont finir toutes les bois, les planches de bois rond. Et voilà, ils ont déjà tellement, ils ont fini les tiroirs, ils en sont déjà à faire les petites fourches. Alors le défaut d'avoir pris la fourche comme contrat entre guillemets secondaire alors qu'on est déjà en train de faire les commodes, c'est que ça prend le bois que la commode a besoin et l'assemblage. Donc là, ce qui serait bien, ça c'est l'idéal, vu que ça ne prend que l'assemblage. Enfin, ça aurait été bien. Catapulte. Oh, celle-là, donc, elle va disparaître, mais elles sont à 2400 l'unité. Hein. C'est pas rien. Je sais pas trop ce que j'aurais pu prendre d'autre ici. Ça prend de la couture que je n'ai pas encore acheté, vu que je suis un peu en déj d'argent, je vais pas m'acheter un poste de travail. Ça c'était pas mal je crois aussi, j'ai oublié. Mais ça prend du bois. Pareil. Un peu tout pareil quoi. Tout a besoin de bois au début. Ça a besoin de plastique, beaucoup de plastique et de l'assemblage, beaucoup d'assemblage aussi. Oh, les manettes comme ça, je les ai pas faites encore. À chaque fois, j'étais obligé de faire les manettes rondes là.
Alors une Atari, ça a les manettes de quelle couleur, on va voir. Et le corps de quelle couleur? Le corps est un peu jaune. Et la manette, je crois qu'elle est full noire, du coup on va la faire bleu ciel. Une Atari Cube, évidemment. Et on va en faire... Je crois que le plastique, quoi qu'il arrive, c'est un granulé, un composant. On va en faire 10. Et 10, ça va me coûter pas mal de matériaux, mais on va vendre les fourches entre temps. Donc ça sera bien. Ça sera bien. Et ça va me rapporter beaucoup d'argent. Si on les fait par lot, on pourra les revendre en cours de route. Je vais pas faire exécution quand même. Quoique si les fourches sont vendues là quasiment. On peut. Juste voir les fourches, elles sont en train d'augmenter de prix. Donc on pourrait même attendre pour les vendre plus tard les fourches. ça serait possible. On a déjà fait deux commodes. Une troisième, ah si, ils en ont placé deux là, quand même. Ah si, ils les placent là, ah, très bien. On ouvre le marché et on livre toutes les fourches. Vous voyez, elles sont toutes là, on les voit même pas et puis les skis n'ont pas gêné. Là j'ai bien remis 3, oui. Et hop, 3100. On est mieux. Du coup, vu qu'on est mieux, on va se faire nos 10 consoles de jeux vidéo. En gardant la priorité sur les commodes parce que y a plus qu'à faire l'assemblage. Alors que les consoles, faut d'abord tout presser quoi qu'il arrive. Et c'est là où on voit que les lots c'est bien, mais ce symbole veut dire qu'une reconfiguration aura lieu avant de débuter le projet. C'est-à-dire que si je fais comme ça, je vais devoir reconfigurer, faire les mettre, reconfigurer. Faire le châssis, alors que comme ça, je vais faire tous les châssis et après toutes les manettes. Et en vrai, voilà quoi. Par contre, ici, c'est un poil plus intéressant. On va juste descendre ça. Descendre ça de 2 crans et on va descendre la manette de 1 cran. Vu qu'on aura fait tous les corps de console. Hop là. 1. Vu qu'on aura fait tous les corps de console, autant tous les assembler. Après on assemble 2 séries de manettes. Parce que sinon il se peut qu'il y en a un qui assemble les manettes et l'autre essaie d'assembler les jeux vidéo. Et il n'est pas. Bah du coup ils s'attendent l'un l'autre, quoi. Ah mais j'en ai fait que 10, du coup ça sert pas à grand chose, quoi. On va faire ça, c'est pas grave. Et là, y a plus la place de poser les consoles. Les châssis. Comme ça ira mieux. Ouais, c'est que ça prend bien ces deux places de profondeur. Le transporteur qui a gagné un niveau. Et eux, ils vont finir vraiment toutes les petites commodes avant de commencer le jeu. Vu que là maintenant ils sont mal orientés,
que ça marche cette astuce. On va refaire une zone sinon. Alors il a glissé, il a mis directement la commode ici. Très bien. De toute façon, il peut pas la mettre ici. Oui. Julia Blanchard, on vient de la voir prendre un niveau. Il y avait Louise Marchand que je n'ai pas vue. Il faut que vous répariez tout ça là. Répariez. Les postes du métal, je suis pas obligé de les réparer pour le moment. Mais je me dis, si jamais je commence à faire beaucoup de production de métal d'un coup, au moins c'est prêt. Au moins c'est déjà réparé, c'est déjà prêt à travailler pendant le maximum de temps. C'est pas. Ah mince, vous travaillez un petit peu et vous prenez à zéro. Il faut réparer. Seulement vous mettiez les trucs bien comme il faut. Ah oui, on va livrer tout de suite parce que là les commandes elles vont baisser de prix. Donc livrer les commandes qu'on a tout de suite, ça va faire de la place du coup. Un petit peu pour les jeux vidéo. Agent de Némésis, d'ailleurs on n'avait pas vu ça. S'il se passe des choses. Bonjour, toi je t'ai vu. S'il se passe des choses étranges dans le coin, je vous conseille d'appuyer sur ce bouton. Agent de Némésis. C'est elle, ok. Il est possible qu'il y ait un ou plusieurs espions et saboteurs dissimulés parmi vos ouvriers tels que des loups dans la bergerie. Si vous ne faites rien, ils risquent de saboter votre équipement ou de communiquer des informations à vos concurrents. Surveillez vos ouvriers et essayez de repérer les comportements inhabituels. J'essaie de la suivre et lire, c'est compliqué. Quand vous pensez avoir trouvé un suspect, dénoncez-le en utilisant le bouton situé dans le suivi à gauche. Mais attention à ne pas accuser quelqu'un d'innocent, car cela pourrait les énerver. Prenez votre temps et ne le faites pas que quand vous êtes sûr de vous. Ah, je pouvais fermer. Ça gardait ça, ok. Et j'ai pas fait gaffe si on avait récupéré des sous. Et on a gagné des sous en vendant les commodes. Nous ne sommes plus pauvres. Ah, de moins de 2000, voire moins 5000. Ah, ça fait du bien. On respire. Alors je lancerai bien une autre production. Pas de commodes, évidemment. Enfin, pas celle-ci. Peut-être celle-ci. Ou celle-là, mais celle-là, elles vont subir une grosse chute. Donc peut-être celle-ci. Mais on va attendre que le marché se renouvelle. Parce que déjà, ils vont finir les commodes. Ça sera bien. Ce serait bien qu'ils les finissent avant le marché. Parce qu'il y a une chute. D'ailleurs, c'était les mêmes, non? Mince, j'aurais pu les vendre ici directement. Tant pis. Ça m'aurait rapporté plus de pognon. Donc on va attendre que le marché se renouvelle pour voir si on a un défi dans 7 heures. On peut acheter des machines pour avoir des meilleures machines de bois et de métal. C'est intéressant. Le plastique, c'est une machine totalement différente qui nous est utile pour les pneus. Genre ça. Ça aussi. S'ils le disent. Et ça c'est sûr, ça c'est sûr. Outil de cuisine multifonction. L'évolution du batteur commun. Une merveille technologique capable de réaliser n'importe quelle tâche culinaire.
Et bien figurez-vous que je n'ai pas eu cette proposition dans ma vie. Enfin, je ne l'ai pas fait en tout cas. Jamais. Pochette surprise, mais il faut le travail du bois 3, donc ça, c'est pas pour tout de suite. Canon naval, ça non plus, je l'ai jamais vu. Hein ? Oui. Ok, le canon naval n'a pas de description. Le canon naval ne met pas à jour la description. Une catapulte, un kit à monter soi-même pour une catapulte à l'échelle 1.2. Un produit de la ligne, la balistique pour les enfants. Pochette surprise, cette boîte contient une surprise montée sur des ressorts. Source d'amusement pour les adultes et de cauchemars traumatisants pour les enfants. Pourquoi j'ai deux opérateurs inactifs? Et j'ai deux machines qui attendent des opérateurs. Alors celle-ci parce qu'ils attendent de... Ils veulent de la place. Voilà. Ah, il reste quand même pas mal de plaques de bois à faire pour finaliser les commodes. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est dire que lui ne fait plus de commodes. Lui en fait, et du coup lui va commencer à faire les jeux vidéo. Les Atari. Les Atari. Parce que c'était la carrière Atari ST, il me semble. Oh, c'est trop vieux pour moi, je n'y connais pas grand chose là-dedans. Maintenant qu'on a de la place dans la zone, on va y mettre la plante pour prendre la place de la zone et non pas le passage des gens. Marque ralentit, c'est les gens, sale plante. Il reste une heure. C'est pas que j'y crois moyen, mais quand même, j'y crois pas des masses au fait qu'on va réussir à tout finir. Je me prépare à appuyer sur livraison parce que déjà là tout de suite j'en ai deux et je peux gagner 3000. Mais est-ce que je peux avoir la troisième? Possiblement, surtout potentiellement, surtout c'est lui qui s'y met tout de suite. Et non. Si, ça a comptabilisé. Trop bien. Oui, parce que c'est à partir du moment où il commence l'assemblage que c'est comptabilisé. Et donc... les deux derniers jeux vidéo se sont trop chers. Et d'ailleurs, c'était là qu'il fallait que j'y vende. Pas grave. Ah oui, pas du tout de stockage du coup. J'ai pas de stockage, je vais refaire ça. Ça va pas les faire déplacer tout ça aussi. Ou alors faut que j'agrandisse cet espace ici. Pour qu'ils me les mettent deux par deux pour gagner beaucoup de place. Je suis passé 11e en revenu. Merci les petites commodes. Profit par heure. Je suis à 92. Pas si loin que ça de Némésis. Hein. Je sais pas ce qu'ils font Némésis, mais d'habitude ils sont premiers partout. Je suis à presque 100 par heure sur la dernière semaine, c'est bien ça. Et en valeur nette, par contre, dans les abysses, j'ai pas acheté de machine, tout ça. Ouais, 20e. Mmh.
cool. On va mettre une autre zone ici, au moins temporairement. Et oui, d'ailleurs, j'ai pas eu de défi, non. Du coup, on va faire des commodes. Et avant, on va en faire... Alors, pas 16, parce qu'on a vu que c'était beaucoup trop. Même si on a gagné beaucoup d'argent, c'est beaucoup trop. Et je suis pas sûr qu'on ait gagné tant d'argent que ça, au final. On va en faire 5. En dernière, et c'est là en avant-dernière. Voilà, d'abord les tiroirs, s'il vous plaît. Hop là, oula, il y a tout ça qui besoin d'être réparé aussi. Session, on répare tout, on va tomber en moins 90 de profit par heure. Ou je ne sais pas combien, ça va être moins le salaire au final. Toi c'est bon, tu peux t'arrêter de tout mettre en surveillance. Accélérer un petit peu. Ouvrir le marché. Et on a dit que c'était celui-ci qui vendait plus cher. Voilà, maintenant qu'ils assemblent les consoles de jeu, ils vont les mettre comme il faut, j'espère. J'espère. Comme ça, toi tu peux disparaître. Du coup, j'ai deux chaînes de production qui n'ont en commun que la partie assemblage. Et ça va être souvent ça, j'ai l'impression, le nerf de la guerre, l'assemblage. J'en ai beaucoup. J'en ai 8 d'un côté et 4 de l'autre. Donc 12. Poste d'assemblage sur mon autre partie. Et... c'est pas assez. C'est quand même le poste qui est en flux tendu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que autant certains projets qui utilisent le bois
n'ont pas besoin d'assemblage, juste de les coller. Autant la plupart des projets, t'as plusieurs fois de l'assemblage dedans. Il y a plusieurs fois de l'assemblage dedans et du coup, bah, il faut assembler. C'est parti. Voilà les premiers jeux vidéo qui sont faits. Vu que on est en train de faire les manettes, que je vois traîner un peu partout. Même si j'ai fait la production par l'autre jeu vidéo, là je suis plus dans l'urgence d'avoir des sous, donc on va laisser ça se produire comme il faut. Et par contre, ce qu'on peut faire, que j'avais un peu oublié vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas de sous, c'est agrandir. Donc là ça me coûterait 2000. Je voulais dire là 2500. Est-ce que je fais ça? Ça me fait une grande salle. Ce qui est bien, mais pas très bien. Bien, mais pas top. On va annuler. On va refaire. On va plutôt faire une. Ça. Là j'ai pas le droit, mais là j'ai le droit. Ah non, c'est la démolition. Je suis toujours en démolition, j'ai l'impression que ça va faire de la construction. Ok, je me disais bien que c'était bizarre. Voilà. Et on va mettre une porte. Est-ce qu'on la met là, la porte? Je pense qu'on mettra une porte ici au final. Hop, ouvrir le marché. Livrer les jeux vidéo avant que ça se casse plus la tronche. On va mettre une porte par ici. On va réduire la taille de cette zone tampon. Et on va y mettre tout ce qui est en rapport avec le métal. Pour le moment, c'est possible. Ça ne sera peut-être pas tout le temps. Il a fait tout le tour là. Troisième ouvrier. Sur 800 jeux. Parce que là, je pensais que cette barre était déjà prête, hein, apparemment non. Donc on va. Elle était peut-être découpée en deux fois. Du coup, on la met là. Ça sera mieux.
Alors, maintenant il va se débloquer tout seul pour faire les poignées de porte, ce qui va faire qu'on va pouvoir assembler les premiers tiroirs. Enfin, les premiers pour cette livraison. Pour ce contrat que je me suis auto-pris. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est déplacer tout ce qui est en rapport avec le métal. Donc on va prendre le poste d'affichage, déplacer, on va le mettre là. Très bien. On va prendre d'abord la forge peut-être. On va la mettre là, la forge. Poste de travail du métal ici. En face. Et l'autre poste de travail du métal à côté. Ici, je pense faire une zone de stockage pour les éléments et peut-être garder de la place ici, là, pour les... Comment dire ? Pour les décorations qui donneront du bonheur. D'ailleurs, ici on est à plus 34, c'est beaucoup, mais pas fou. Ici on est à plus 25. Est-ce qu'on peut te déplacer ici ? Non. Est-ce qu'on peut te déplacer comme ça ? Oui. Ça libérera beaucoup de place au milieu. Là-bas, je crois que je voulais mettre dos à dos ici, mais. Pas besoin. Comme ça sera bien. Voilà. Si vous avez des suggestions, hein, c'est possible. Je peux peut-être déplacer le... Non. Non, je déplacerai ça plus tard. Ici on pourrait agrandir un petit chouï comme ça je pense. Ici on est à moins 18, donc il nous faut de la décoration. La boîte à fleurs c'est bien. C'est bien. On fait les commodes, mais on ne fait pas grand chose d'autre. Est-ce que lui il travaille pas? Et il ne l'indique pas? Je pensais qu'il me l'indiquait forcément. Du coup, si les gens ne travaillent pas, on va continuer à se trouver du boulot. Les jeux vidéo c'était bien, mais c'est en chute libre. Couteau suisse, des orques, ça prend du bois quoi, c'est ça qui m'embête un peu. La nourriture en plastique aussi est un peu en chute libre, elle a pas décollé. Là, le point d'exclamation, c'est-à-dire expiration. Je sais pas exactement comment ça marche. J'allais expliquer comment ça marchait, mais je me rends compte que je ne suis pas sûr. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Je croyais que c'était quand il y a trois fois d'affilée un coup dans le rouge. Bah, le troisième ou le quatrième, il avait une croix en mode bah, on arrête. Vu qu'il n'y a pas de demande, on arrête les frais. Pour pas de demande, c'est quand même 23 unités. Ce n'est pas rien. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être le. On va faire un peu de nourriture en plastique. Là, on va en faire juste 5. Voilà, juste pour être sûr de travailler un petit peu. En espérant qu'au prochain cycle, il y ait des défis. Voilà. Sûr de travailler. On essaye d'avancer un petit peu le temps. Voilà. La zone, j'ai pas fait la zone. Zone. Tac. On peut même y mettre... Une grosse étagère ici. Oh, ça rentre pile poil. Ouais, je vais pas me gêner alors. Et une zone ici. Sachant que
Sachant que de ce que j'ai vu... Ah ! Je sais pas cliquer. De ce que j'ai vu... Hein ? Demandez. Accepter la zone. Poste de travail, tu te lis à la forge et tu te lis là. Au poste, j'allais dire de soudure, mais non, au travail du métal. Il y a des postes de soudure plus tard. Donc là par contre, c'est une zone où on ne pourra mettre que des petits objets. Est-ce qu'on fait une zone ici où on met des objets plus gros? Que des petits objets parce que... Toi pareil, mais normalement, yep. Normalement les objets plus gros, il y en aura jamais. Ah bah non. C'est soit l'une soit l'autre, vu qu'on ne peut pas lier un poste de travail deux zones. Du coup, pas de zone. S'ils ont besoin de... Je pense surtout à ce poste-là, peut-être qu'ils auront besoin de souder des pièces énormes ou de les... Je sais pas. J'ai jamais vu de coupage de métal. Tour, oui, mais c'est souvent petit. Je pense que... Enfin, le pliage aussi, c'est souvent petit. Je pense qu'il n'y a que la soudure qui peut prendre des pièces un peu grandes, qui ne tiendraient pas sur l'étagère, mais c'est pas grave. Elles seront juste ici pour le moment, vu que c'est notre zone débarras. Et ici, c'est une zone débarras qu'il faut vite enlever. Parce qu'ils sont en train de stocker là-dedans, alors que ça ne sert à rien. Je n'ai pas spécialement envie. Ils ont déjà fini la production. Ah, le petit son qui indique bien qu'il me propose des offres, et deux d'un coup... Très bien. Donc celle qui rapporte le plus, c'est les skis. Sachant que là, le bongo... Ah, le bongo précédent ne lui plaisait pas, puisqu'il était à 6-8, et qu'il veut plus de style, et tant pis pour la résistance. D'accord. Et les skis, est-ce que les skis... Non, les skis qu'on avait d'avant ne lui plaisaient pas. Plaise pas non plus parce qu'il manque un petit peu de résistance, d'accord. Donc, il va falloir faire des nouveaux comment ça s'appelle, blueprint, des nouveaux plans pour ça. Je commence par quoi? On va commencer par lui. Ah, lui on est obligé de faire en bois du coup. Mais c'est pas beaucoup d'étapes de bois. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune étape de qui demande de l'assemblage. Il n'y a pas d'étape d'assemblage. Voilà. Donc les bongos qui veut. Exécution. Je pense que j'ai trop pris l'habitude de mon ancien et de mon autre partie parce que là, c'est quand même risqué. Quoique, ça devrait aller, ça devrait aller. Je les ai fait par l'eau, je voulais pas les faire par l'eau, les bongos. Peu par l'eau, mais pas trop. Oula, faut réparer ça, il va falloir réparer ça très vite aussi. Le poste d'assemblage, ça va, la peinture, ça va. Tout ça, normalement, c'est parfait. C'est la salle où personne n'est encore jamais allé pour travailler, juste déposer les machines. Voilà.
et toi tu vas donner ton travail à lui pour commencer tout de suite à te mettre sur les bongos. Ouvrir le menu, livrer la nourriture en plastique. Bip, bip. Ouais, on est vachement en retard du coup dans les bongos. On va remettre en vitesse lente. Les commodes. Il reste quoi à faire pour les commodes? Non, c'est tout fait. Il reste plus que de l'assemblage. Du coup, on va prendre les skis aussi. On va quand même être un fou. Je ne suis quand même un fou. Ce qu'il me faut, du coup, c'est, on va dire, le maximum en résistance. Ça va être lui. Parfait. Les skis bleus, moi, ça me plaît toujours. Alors, à la forge, la soudure séparée en deux ici. Le plastique, il est là. Et l'assemblage séparé en deux est ici. Et là, ce qui est bien avec ces deux commandes, c'est que elles se marchent pas du tout dessus. Le bongo, il utilise que le bois. Donc en fait, il va rester que ici. Et les skis, ils utilisent le plastique, l'assemblage et le... Et tout ce qui est métal. Mais du coup, il se marche pas du tout sur les pieds. La seule ressource en commun, on va dire, c'est les travailleurs qui travaillent dessus. Allez, je vais essayer quand même de finir juste le temps de la mission des bongos là. Voilà. D'ailleurs, c'est la priorité. Même si j'aimerais bien qu'ils finissent cette commode rapidement pour pouvoir la vendre. Aïe, et on reste là, d'accord. Pour pouvoir la vendre et me débarrasser de ce contrat, quoi. Pas qu'il m'encombre la vue à droite. Donc là, je suis très en retard sur les bongos et un petit peu en avant sur les skis. Mais les skis, on a vu ce que ça a donné. J'ai fini. En retard la dernière fois, il m'en a resté un. Mais bon, je n'avais pas deux postes de travail du mytho en même temps. D'ailleurs, ralenti, toi, sur régime pour les deux. Et c'est vous le plus important, vous avez trop de retard. J'aurais dû le faire plus tôt là quand j'ai réfléchi que les pièces de bois n'étaient pas finies. On réaccélère du coup. On vend les petites commodes. Voilà. Notre retard pour les bongos, mais je suis pas sûr qu'on les finira à temps quand même. Ah, quoique. Surtout que les bongos n'avaient pas du tout besoin d'être faits par l'eau, vu qu'ils utilisent... Si, on pouvait. Mais ils utilisent tous la même machine, quoi. Donc au final, ça... Au global, on gagne pas de temps à les faire par l'eau par rapport à si on les faisait pas par l'eau. Et il faut réparer... Thank you.
part, du coup on perd un peu de temps, mais on s'est bien rattrapé pendant... Oula, la... la peau qui vibrait bizarrement, en tout cas pas en simultané par rapport au poste de travail. Les skis qui ont de l'avance. Vraiment les skis, je pense que le truc principal c'est d'avoir deux postes qui font les fixations. J'ai presque envie de dire même quand... Si, même si on a le poste de soudure avancé qui travaille à 100% plutôt qu'à 25%. C'est quand même assez important de répartir un peu le boulot parce qu'il y en a beaucoup. Et de toute façon, les skis s'assemblent deux par deux. Et la presse, elle dure une seconde, là, elle va à 100% quoi qu'il arrive. Donc. Et je sais même plus... Non, je peux pas... Ça, c'est un peu embêtant parce qu'on peut pas revoir le... Le plan là, le blueprint qu'on a fait, mais je sais, j'ai l'impression que ça, quoi qu'il arrive, ça sera plus rapide que le temps de faire la fixation. Peut-être parce que avant de commencer les fixations, faut mouler un petit peu à la forge, même si ça va très vite. C'est peut-être pour ça que les premiers sont en retard, mais j'ai toujours l'impression que le plastique finit avant les fixations, quoi qu'il arrive. Après, si on fait des skis en bois, c'est différent. Ah, le Bongo, il a quasiment rattrapé tout son retard. Hein. On va laisser la dernière heure au rythme normal du jeu pour voir si ça le fait. Ok, tout est là. Donc on va répartir et on va te donner un travail en plus ici. Parce que lui va finir, il va en avoir un en stock et lui peut commencer tout de suite. Allez. Allez, finissez-moi vos bongos. Surtout que là, que ce soit considéré comme fini, il faut que quelqu'un arrive et mette les deux objets et commence à taper sur la table avec ses mains. Parce que lui, celui-ci, j'étais en train de le montrer avec mon doigt, celui-ci est déjà considéré comme fini. 13 sur 14, il n'y a plus qu'un à faire. Donc on va voir... Ah, c'est lui ? Hein ? Quoi ? C'est toi qui travailles sur le bongo, là ? Non. Voilà, on en est à 14, on va voir s'il va nous en rester un ou s'il va le prendre aussi. Vu que cette fois, ils auront tous été faits, réellement, physiquement, avant d'avoir été embarqués dans le camion. Avant que le camion ait fini de travailler. Là, il y a bien 3 ouvriers à signer, s'il le faut, ils aident. D'ailleurs, elle va pas du tout aider. J'espère que celui-ci va disparaître du coup. Prochaine mission, est-ce qu'on se ferait pas une catapulte? Celle-ci est en chute libre. 24-41. Ah, celle-ci va bientôt être en chute. Et celle-ci augmente beaucoup. De toute façon, elles sont toutes les 3 à 24-40. Donc c'est le prix final qui compte. C'est celle-ci pour le moment la plus intéressante. Préparer un produit. ...24-41, c'est le minimum, donc c'est pas compliqué. On met tout en bois clair. Voilà. Après, on sélectionne tout. Et on fait tout à la main. Parce qu'on n'a pas encore les machines améliorées. Qu'on débloquera très certainement au prochain épisode. Vu que j'ai envie de m'arrêter, préparer à manger, tout ça, enfin préparer. Manger quoi. Et assemblage. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'étapes dans le bois, et un petit peu d'assemblage quand même.
Ce qu'on va juste essayer de faire, mais essayer parce que de mémoire, ça va pas le faire, c'est de minimiser le nombre de bois qu'on va jeter à la fin. Et de mémoire, c'est genre à 16 qu'on pourra réellement le minimiser totalement. Et 16, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Voilà, c'est 16. Je crois qu'on avait fait 16 petites commodes. C'était 3 fois plus simple, on a galéré, on a failli mourir. Donc c'est hors de question, on va en faire 3. 3, non, 4. 4 parce que du coup, il y a que plein de parts de bois et pas... On va voir là. Non, on peut pas voir le prix de tout ce qu'on jette. Enfin, c'est le ratio là, quoi, qui le dirait. On va faire comme ça, quand même. Il y a qu'une colonne, il y a que des barres de bois de 2 de diamètre qu'on jette. Ou décimètres, plutôt. Production par l'eau, on décoche. Tout au même endroit. Il n'y a pas de place pour stocker des skis. Rip. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, comment je vais faire ? Parce que il va venir avec en plus du matériel. Pour la catapulte, on va se créer une nouvelle colonne. Ici. Voilà. Et je pense qu'on va se quitter là. Il a pris tous les bongos. Je viens de recevoir une cargaison de bongos. Ces produits sont superbes. Les clients commençaient déjà à leur lire dessus pendant qu'on les déchargeait. J'espère que nous pourrons continuer à être ce partenariat. Paiement reçu 2641,6. Expérience obtenue 5265. Et il m'en reste 0 au stock. Donc ils ont bien pris le dernier. Je viens de voir que Noé Duval a monté le niveau. Juste ici. Et sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous plaît de me regarder jouer autant que moi ça me plaît de jouer à ce jeu de gestion. Et je vous dis à très vite. Dessus, j'espère. Voilà, à très vite. Ciao!